Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec un nouveau thème tactique, peut-être qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Donc la position de départ, c'est au noir de jouer. Au noir de jouer dans une position avec égalité matérielle, hein, dame, deux tours, pièce mineure et quatre pions contre la même chose. Bon, la différence c'est que les noirs ont un fou et les blancs un cavalier, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon au niveau de la protection des rois? C'est à peu près équilibré. Les rois sont dans des ailes opposées, donc des positions d'attaque évidemment, des rocs opposés. Mais attention à la fragilité de la première rangée chez les blancs. Hein, on voit que pas de tour, aucune tour n'est disposée sur la première rangée, donc des grandes chances de mettre du couloir, hein, puisque les deux pions blancs ici bloquent le roi. Et évidemment, c'est la même chose pour les noirs, mais les noirs, eux, ont leurs deux tours, hein, sur la huitième rangée qui défendent. Donc ici, le thème évident qu'on peut voir au premier abord, c'est cette menace de mettre du couloir, enfin cette il n'y a pas de menace immédiate, bien sûr, mais cette possibilité de mettre du couloir. D'ailleurs, c'est pareil, c'est un peu symétrique. Hein, on remarque que les blancs ont eu la dame en prise dans cette position, hein, c'est au noir de jouer. Hein. Les noirs pourraient prendre la dame, sauf que dans ce cas-là, effectivement, leurs tours ne seront plus en liaison et les blancs prendraient l'autre tour, hein, avec leur tour blanche, donnerait échec et ce serait mat assez rapidement, puisque donc c'est le fameux mat du couloir. Donc ici, les noirs ont une meilleure défense sur la 8e rangée, ce qui leur permet de tenir le mat du couloir, mais les blancs tentent quand même, hein, des choses. En tout cas, a priori pas de menace pour les blancs. Et donc, ce sont les noirs qui vont créer des menaces. Peut-être avez-vous trouvé le bon coup. C'est le premier coup, il est vraiment important. Hein. C'est celui qu'il faut voir. Donc, c'est celui qui permet de gagner, tout simplement. Un échec possible, mais il n'y en a qu'un. Et il n'a pas l'air extraordinaire, on va dire. Hein. C'est un euphémisme probablement. L'échec avec la dame en G1, bon bah il va prendre avec le roi et il va dire merci, c'est tout. Donc évidemment cet échec ne redonne rien. Par contre les menaces de mat, oui ça il y en a, et il y en a surtout une, hein, qui est très très bonne. Donc menace de mat en un coup, hein, on commence par une menace de mat en un coup, et il y en a au moins deux des menaces de mat en un coup. Même s'il y en a une qui n'est évidemment pas bonne du tout, c'est la prise de la tour avec la tour, hein, puisque les noirs menaceraient mat du couloir avec tour 1, sauf que bah, s'ils se retrouvent matés de la même façon avec la dame qui prend la tour ici. Et peut-être avez-vous vu la deuxième menace de mat en un coup, et je ne crois pas qu'il y en ait plus, mais en tout cas c'est bien celle-ci qu'il faut voir, le mat en un coup ici. Attention, mat en un coup, c'est un vrai mat en un coup, hein. C'est pas une possibilité d'échec, les blancs courent et c'est mat, non, c'est mat tout de suite, et c'est ça qui est très intéressant à chercher, hein. On ne permet pas à l'adversaire de couvrir l'échec, et c'est comme ça que vous allez trouver le bon coup. Bien évidemment, vous l'avez trouvé, probablement maintenant, il n'y en a qu'un dans la position. S'il y en a un autre, vous pouvez me le dire, mais je pense qu'il n'y en a pas. Mais on ne sait jamais, hein, je peux peut-être me tromper. En tout cas, le seul, à mon avis, qui a en dehors, hein, de la prise de la tour en E2, c'est bien le coup de dame en F2, très fort coup, qui menace mat en F1. En fait, c'est la seule case qui permettrait aux noirs de donner mat tout de suite sans que les blancs ne puissent couvrir. Et encore une fois, on joue sur le mat du couloir, hein, avec si, donc déviation ici. Si la tour prend la dame, bien sûr, la tour noire ferait échec en E1, échec, la tour blanche pourrait couvrir et elle serait prise directement par les noirs, par la tour noire, et ce serait mat. Si les blancs tentent de faire un échec avant prenant la tour, ça ne change rien, la tour reprendrait la dame, et ensuite si les blancs prennent la dame en F2, et la tour noire descendrait en C1, faire échec, et là les deux tours blanches peuvent couvrir, mais à chaque fois elles sont prises par les tours noires. Donc ce coup de dame en F2 est très fort, la dame noire ne peut pas être prise, hein, vous voyez, tour 1, et si la dame prend ici, du coup,
On fait échec en C1 et on va mater rapidement. Le seul coup que les blancs pourraient jouer, en dehors d'un coup de pion, hein, qui permet d'éviter le mat, mais à ce moment-là, évidemment, les noirs vont simplement gagner une tour, hein, en prenant par exemple comme ça avec la dame. C'est bon, c'est quand même le coup à jouer. On pourrait éventuellement faire échec avant, mais ça sert à rien. Attention, hein, on ne peut pas prendre de la tour, bien sûr, ni prendre la dame. Parce que il y aura le mat, donc c'est bien le bon coup qui permet de gagner la tour. Et si les blancs tentent de défendre leur tour, hein, donc ça c'est intéressant, hein, le coup de cavalier ici qui défend la tour tout en contrôlant la case de mat, hein, avec la dame. Donc ici, vous pouvez chercher à nouveau en mettant la pause le prochain coup des noirs. Et je parlais d'un thème qu'on ne voyait pas très souvent, mais voilà, on va le voir ici dans cette. Dans cette position, dans cette combinaison, thème de maths, hein, enfin, ça donne pas toujours maths ce thème, bien sûr, mais en tout cas ici, ça donne maths, le fameux maître du couloir avec le thème du rayon X. Le rayon X, oui, c'est une pièce qui contrôle une case à travers une autre pièce, donc ce sera une pièce, bien sûr, à longue portée, hein, ça peut pas être un pion ou un cavalier, à travers la tour blanche, la dame noire, qui donc va faire échec. En E1, voilà, protégé indirectement par la tour noire en rayon X. Donc le coup qui permet de mater, c'est bien dame E1, c'est même le seul coup qui permet de gagner peut-être. Dame E1, échec ici. Et c'est mat en quelques coups, puisque si les blancs prennent, on reprend avec la tour, le cavalier va couvrir et c'est mat. Et sinon, l'autre option pour les blancs serait de tout de suite courir avec le cavalier, mais la dame évidemment prendrait le cavalier et ce serait mat. Le rayon X, un thème pas très courant, mais voilà, qui permet ici de gagner sur une jolie combinaison. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.